Je pense qu'il n'y a pas de geste plus important que de prendre soin des autres. Je suis une jeune retraitée et je trouve important de pouvoir redonner, quand on est des gens privilégiés, comme la vie a été avec moi, de pouvoir redonner aux autres. Puis je pense que faire une société plus humaine, ça commence par des petits gestes. Je pense que c'est le CAB qui m'a choisi plus que je les ai choisis parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'ensemble de l'équipe. C'est des gens qui sont engagés, qui sont dédiés, qui ont le sens de l'humour, puis surtout qui ont le sens de l'humanité. J'ai eu des soucis de santé qui ont nécessité plusieurs rendez-vous à l'hôpital. Et à chaque fois, le Centre d'action bénévole a réussi à me trouver des accompagnateurs. On va à l'hôpital Charlemagne aujourd'hui. En Charlemagne, comme d'habitude. C'est bon. L'attente ne devrait pas être trop longue, mais je vous remercie encore beaucoup de m'accompagner. Là. Ça enlève beaucoup de stress. C'est bon. Puis quand on va arriver, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez que je vous dépose et qu'ensuite j'aille stationner la voiture? Ou vous... Oui, parce que... Je me sens utile. Faire du transport pour le CAB, c'est plus que de transporter une personne du point A au point B. C'est être capable de rassurer les gens, c'est être capable, quand il le faut, de les supporter, puis c'est aussi avoir beaucoup d'écoute. J'ai fait des commotions cérébrales assez sévères, puis il y a eu des périodes où je ne conduisais pas du tout. En fait, ça... L'ampute ma capacité de conduire. Hey, salut Yves, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ben oui. Une autre petite séance de physio. J'ai commencé à voyager en taxi, ce qui me coûtait une fortune. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à utiliser les services du CAB pour mes rendez-vous médicaux. Fait que ça m'a permis, en termes de non seulement de santé physique, mais de santé mentale aussi, de progresser beaucoup plus rapidement. On développe un lien assez quasiment amical. C'est nono à dire, là, mais ils vont à un rendez-vous médical et en même temps, ça lui permet de rencontrer des gens puis d'échanger. Puis c'est un autre point important. Et c'est des gens exceptionnels. T'sais, ils ont d'autres choses à faire dans la vie que de s'occuper des petits vieux comme moi. Vous étiez pas là, dans le Ah, ben là, je me permets. On est tous sur le plateau de production, là.